Egzamin maturalny z języka francuskiego. Rozumienie ze słuchu. Poziom podstawowy. Wysłuchaj dokładnie informacji dotyczących tej części egzaminu. Rozumienie ze słuchu trwa 20 minut i składa się z trzech zadań. Zadania te sprawdzają umiejętność rozumienia wypowiedzi rodzimych użytkowników języka francuskiego. Usłyszysz nagranie, które zawiera zarówno teksty. Jak i polecenia do poszczególnych zadań. Każdy tekst zostanie odtworzony dwa razy. Na płycie przewidziane są przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz ich rozwiązanie, sygnalizowane dźwiękiem. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz natomiast dźwięk. Rozwiązuj poszczególne zadania zgodnie z usłyszanymi poleceniami w czasie słuchania tekstów oraz w trakcie trwania przerw. Po ich wysłuchaniu: Zadanie pierwsze: Usłyszysz dwukrotnie pięć wypowiedzi uczniów na temat noszenia mundurków w szkole. Na podstawie zawartych w nich informacji, zaznacz w tabeli znakiem X, którzy z uczniów są za, a którzy przeciw. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz jeden punkt. courante dans les pays anglo saxons, la pratique du port de l'uniforme à l'école est rare chez nous. Elle a ses partisans, soucieux de l'image de l'établissement et d'égalité entre élèves mais elle a aussi ses adversaires, inquiets d'y perdre l'originalité de chacun. Et toi, qu'en penses tu? Un. Chacun choisit de s'habiller comme il veut. Quand on porte les uniformes, on a l'air d'être des clones. Deux. Plus besoin de se casser la tête le matin pour savoir ce que l'on va mettre. Et puis, comme ça, on est tous pareils. 3. Chacun a son style et c'est ce qui nous différencie. Sinon, on est tous pareils. On n'a plus notre personnalité. 4. Moi, personnellement, je pense qu'à l'école, on a le droit de s'habiller comme on veut et pas comme les autres veulent. Et puis, les uniformes ne ressemblent à rien. 5. Ainsi, on passe moins de temps à choisir nos vêtements. Une fois. Courante dans les pays anglo-saxons, la pratique du port de l'uniforme à l'école est rare chez nous. Elle a ses partisans, soucieux de l'image de l'établissement et d'égalité entre élèves. Mais elle a aussi ses adversaires, inquiets d'y perdre l'originalité de chacun. Et toi, qu'en penses tu? Un. Chacun choisit de s'habiller comme il veut. Quand on porte les uniformes, on a l'air d'être des clones. Deux. Plus besoin de se casser la tête le matin pour savoir ce que l'on va mettre, et puis comme ça, on est tous pareils. Trois. Chacun a son style, et c'est ce qui nous différencie. Sinon, on est tous pareils. On n'a plus notre personnalité. Quatre. Moi personnellement, je pense qu'à l'école, on a le droit de s'habiller comme on veut, et pas comme les autres veulent. Et puis, les uniformes ne ressemblent à rien. 5. Ainsi, on passe moins de temps à choisir nos vêtements. Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. Zadanie drugie: usłyszysz dwukrotnie pięć wiadomości radiowych. Określ tematykę każdej z nich, wybierając spośród podanych poniżej propozycji: od A do F. Wpisz odpowiednie litery do tabeli. Uwaga: jedna propozycja została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej wiadomości. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz jeden punkt. 1. Sais-tu que certaines espèces de requins sont menacées d'extinction Le Parlement européen vient d'approuver un projet de règlement qui renforce la protection de ces grands prédateurs. Les Asiatiques raffolent des soupes aux ailerons de requins et en consomment beaucoup. Les ailerons se vendent très cher, entre 20 et 40 euros le kilo, entre 1 à 2 euros le kilo de chair de requin. 2 des athlètes originaires de 166 pays, des épreuves sportives de haut niveau, des performances incroyables. On te parle encore des JO Oui, sauf que cette fois-ci, les athlètes en compétition sont handicapés. Les Jeux paralympiques débutent aujourd'hui à Londres. Pendant dix jours, 4200 sportifs vont s'affronter dans 20 disciplines en disport. sports. 3 avec sa tête ronde et son mini-corps en plastique, cet humanoïde parle, écoute, marche, danse et raconte même des histoires. Tel un vrai petit homme. Voici l'un des robots les plus sophistiqués et les plus utilisés au monde, Nao. Il parle neuf langues et il entend grâce à un synthétiseur vocal, deux haut-parleurs et des micros placés dans sa tête. Il bouge aussi très facilement, sous l'action de moteurs cachés dans ses articulations. Plus étonnant, il sait attraper des objets avec sa main articulée et il est capable de se relever tout seul quand il tombe. 4. Tu connais peut-être ce visage. Il s'agit de Gérard Depardieu, l'un des plus célèbres acteurs français, qui fait beaucoup parler de lui depuis qu'il a décidé de quitter la France pour payer moins d'impôts. Acteurs, chanteurs, sportifs ou chefs d'entreprise sont de plus en plus nombreux à quitter le pays pour des raisons fiscales. 5. Adieu 2012. Bonjour 2013. Mais sais-tu pourquoi chaque 1er janvier on change d'année Si tu es prêt pour un voyage dans le temps, nous t'expliquons l'histoire liée à cette première date du calendrier. Déguisement, cotillons, embrassades, bons repas. Le jour du 31 décembre, appelée aussi la Saint-Sylvestre, donne souvent lieu à des festivités pour marquer l'arrivée de la nouvelle année. 1. Ah. Sais-tu que certaines espèces de requins sont menacées d'extinction Le Parlement européen vient d'approuver un projet de règlement qui renforce la protection de ces grands prédateurs. Les Asiatiques raffolent des soupes aux ailerons de requins et en consomment beaucoup. Les ailerons se vendent très cher, entre 20 et 40 euros le kilo. Entre 1 à 2 euros le kilo de chair de requin. 2. De... Des athlètes originaires de 166 pays, des épreuves sportives de haut niveau, des performances incroyables. On te parle encore des JO Oui, sauf que cette fois-ci, les athlètes en compétition sont handicapés. Les Jeux paralympiques débutent aujourd'hui à Londres. Pendant 10 jours, 4200 sportifs vont s'affronter dans 20 disciplines en 10 sports. 3 Avec sa tête ronde et son mini corps en plastique, cet humanoïde parle, écoute, marche, danse et raconte même des histoires. Tel un vrai petit homme. Voici l'un des robots les plus sophistiqués et les plus utilisés au monde, NAO. Il parle neuf langues et il entend grâce à un synthétiseur vocal, deux haut-parleurs et des micros placés dans sa tête. Il bouge aussi très facilement, sous l'action de moteurs cachés dans ses articulations. Plus étonnant, il sait attraper des objets avec sa main articulée et il est capable de se relever tout seul quand il tombe. 4. Tu connais peut-être ce visage. Il s'agit de Gérard Depardieu, l'un des plus célèbres acteurs français, qui fait beaucoup parler de lui depuis qu'il a décidé de quitter la France pour payer moins d'impôts. Acteurs, chanteurs, sportifs ou chefs d'entreprise sont de plus en plus nombreux à quitter le pays pour des raisons fiscales. 5. Adieu 2012. Bonjour 2013. Mais sais-tu pourquoi chaque 1er janvier on change d'année Si tu es prêt pour un voyage dans le temps, nous t'expliquons l'histoire liée à cette première date du calendrier. Déguisement, cotillons, embrassades, bons repas. Le jour du 31 décembre, appelée aussi la Saint-Sylvestre, donne souvent lieu à des festivités pour marquer l'arrivée de la nouvelle année. przenieść rozwiązania na kartę odpowiedzi. Zadanie trzecie. Usłyszysz dwukrotnie tekst o sukcesie pewnej piosenki. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania. Zakreśl literę A, B lub C. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz jeden punkt. La chanson Gagnam Style de Psy, un chanteur coréen, est le clip de l'année avec un milliard de vues sur YouTube. Il est connu dans le monde entier. Mais d'où vient ce succès Tout d'abord, Psy utilise une musique entraînante avec un mélange de hip-hop et de RB, qui plaît beaucoup aux jeunes. Ensuite, il base son clip sur la caricature, en se moquant des clips qui donnent une mauvaise image de la femme. Il se moque aussi des habitants riches du quartier de Gagnam, à Séoul. La capitale de la Corée du Sud. Il danse en imitant une personne qui monte à cheval. L'équitation étant très appréciée des habitants de ce quartier. Enfin, son clip est plein d'humour quand il bronze sur une chaise longue dans un parc ou tout simplement quand il se ridiculise en faisant l'idiot. Le succès est tellement exceptionnel que des gens aux quatre coins du monde organisent des flash mobs, des rassemblements de courte durée sur le clip. À Paris, Psy est venu danser au flash mob qui a eu lieu le lundi 5 novembre au Trocadéro. Plus de 20 000 personnes étaient présentes. Sur le web, ses fans ont repris le clip en le modifiant légèrement. Il y a même des militaires américains qui se sont prêtés au jeu. Psy n'a pas fini de nous surprendre. La chanson Gagnam Style de Psy, un chanteur coréen, est le clip de l'année avec un milliard de vues sur YouTube. Il est connu dans le monde entier. Mais d'où vient ce succès Tout d'abord, Psy utilise une musique entraînante avec un mélange de hip-hop et de RB, qui plaît beaucoup aux jeunes. Ensuite, il base son clip sur la caricature, en se moquant des clips qui donnent une mauvaise image de la femme. Il se moque aussi des habitants riches du quartier de Gagnam, à Séoul, la capitale de la Corée du Sud. Il danse en imitant une personne qui monte à cheval. L'équitation étant très appréciée des habitants de ce quartier. Enfin, son clip est plein d'humour, quand il bronze sur une chaise longue dans un parc ou tout simplement quand il se ridiculise en faisant l'idiot. Le succès est tellement exceptionnel que des gens aux quatre coins du monde organisent des flash mobs. Des rassemblements de courte durée sur le clip. À Paris, Psy est venu danser au flash mob qui a eu lieu le lundi 5 novembre au Trocadéro. Plus de 20 000 personnes étaient présentes. Sur le web, ses fans ont repris le clip en le modifiant légèrement. Il y a même des militaires américains qui se sont prêtés au jeu. Psy n'a pas fini de nous surprendre. Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął. Sprawdź, czy wszystkie rozwiązania zostały przeniesione na kartę odpowiedzi. Następnie przystąp do wykonywania pozostałych zadań.